Bonsoir les amis de trialclub.com, on est au Hamdays et on est avec Jean Pena qui est le directeur commercial France, monde, Même monde. monde pour Electric Motion. On était déjà l'année dernière avec Ouais. Philippe Aresten et on avait fait une petite interview et on avait parlé évidemment des projets. Parmi ces projets, il y avait un énorme projet qui lui tient à cœur parce que ça fait quelques années que je le connais, c'était de faire les 6 jours d'Écosse. Oui, complètement. Un magnifique challenge qui a été reporté, puisque vous deviez déjà le Eh faire oui, en 2021. faute de Covid. Voilà, cause de Covid. Et ben ça s'est super bien passé. Alors effectivement, hein, moi ça fait maintenant 10 ans que je suis dans la société Electric Motion, EM. Philippe m'a toujours parlé de ce challenge assez fou, puisque les 6 jours d'Écosse, le Scottish, c'est peut-être C'est le must. l'épreuve mythique et la plus difficile en termes d'autonomie. Enfin, c'est dur, c'est éprouvant, il fait froid, il pleut, Pour c'est les hommes, long. pour les machines. C'est difficile. Et de pouvoir démontrer qu'on puisse, ne serait-ce que d'y participer, on n'avait pas, en toute honnêteté, de prétention à gagner un titre ou quoi que ce soit, hein, pas bien sûr. C'était d'ores et déjà d'y participer et de terminer. De finir la course Voilà. dans les mêmes conditions que les thermiques. Oui, alors on avait deux pilotes, Matthew Alp, importateur de notre marque d'EM en Angleterre, enfin dans toute le Royaume-Uni, Inch Perfect Trial, et accompagné donc de Gaël Chataigneau, notre pilote. Et c'est vrai qu'ils ont fait une course magnifique tous les deux, ils ont tous les deux fini. Alors pour tous ceux qui se posent la question, on a changé de batterie seulement lorsque les autres motos thermiques au point de ravitaillement Faisait trouvaient le l'essence. refuel. Je dirais entre guillemets armes égales. Et oui, on a pu finir avec un superbe résultat, hein. Gaël qui finit 19e, Pour une 19e première, au général. c'était la première fois qu'il faisait les 6 jours d'Écosse Ouais. et on sait l'expérience qu'il faut pour être dans les top pilotes dans cette épreuve. Complètement. Et il fait donc troisième, ce qu'on appelle newcomer. Donc Ouais. c'est-à-dire quand c'est la première participation de tous les gens que c'était la première, il fait troisième. C'est le troisième premier participant, je dirais. C'est quand même un podium, 19e général. On a eu un autre prix pour la meilleure moto, le Jimmy Beck Challenge. Donc c'est quelque chose où pour les motos de jusqu'à 200 cm3. Ah oui, bien Donc sûr. bon, ça nous fait aussi un peu sourire pour ceux qui pensent que c'est tout notre moto est toujours un 125. 125, oui. Alors oui, d'après les normes d'homologation, c'est un 125 cm3, mais pour ceux qui pratiquent et qui peuvent jouer avec les trois maps, on sait qu'on peut être sur un Oui, on a vu 2,5 300. Gaël aujourd'hui en action Ouais, et je pense que c'est un peu réducteur, mais tant mieux. Quand on sait qu'on va y venir sûrement à la FIM, il y en a qui disent: Ah oui, mais c'est pas un 125, il faut réduire la puissance. Mais ben non, c'est un 125, donc c'est. Alors justement, parlons FIM, avec l'année dernière c'était le e-trial Ouais. et un titre. Champion du monde, Champion du oui, pour monde. Gaël Chataigneau. Ouais. Bravo. Ben ouais, c'était une superbe expérience. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on participait à ce championnat. En toute honnêteté, face à des EM ou face à des constructeurs qui ont un prototype qu'on sait qu'ils ne verront jamais le jour, malheureusement, ou qui vont voir le jour sur des mini-quantités. Voilà, on a eu GasGas, on a eu Yamaha, on a eu deux, trois autres marques, mais aujourd'hui, la crédibilité de notre marque, elle se fait parce qu'on peut concourir face aux meilleures motos Et thermiques. c'est pour ça que Philippe a demandé à la FIM à ce que les électriques puissent courir avec les thermiques Oui. pour montrer l'efficacité des motos. Et c'est une véritable, je dirais, aide et confiance de la FIM quand on sait que des grands constructeurs comme Yamaha ou Honda, peut-être que la FIM va vouloir attendre que ces grands constructeurs viennent sur l'électrique Ouais. pour crédibiliser la notoriété justement du championnat. Mais au bout d'un moment, c'est tellement long, nous on avance, on va assez vite. Et ils nous ont fait confiance. Donc maintenant, la catégorie trial, il n'existe plus. Et on concourt cette année avec Gaël Chataigneau dans la catégorie donc trial 2, Alors face au justement, thermique. parce que vous auriez pu j'allais dire, faire dans la facilité, jouer le titre en trial 125. Oui. Non, carrément, vous allez vous mêler avec les trial 2. On le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, trial 2, c'est la catégorie 250 cm3. Exactement. Et puis c'est juste avant la catégorie top, Le top. top élite. Mais Mais là, déjà, on a besoin de vraiment beaucoup de ah, puissance. ça, comme on dit dans le jargon, ça roule, hein. Ça roule fort en trial 2. Il y a des pilotes qui roulent vraiment bien. Donc un vrai challenge. Et puis
Première manche, Espagne, Gaël fait quatrième. Magnifique. Donc, magnifique. On n'attendait pas autant, ouais, mais aujourd'hui, nous, on est convaincus et je pense qu'on peut montrer aux gens que, bah, que la moto n'a pas de limite, je dirais, face aux autres thermiques. Alors moi, je vais juste rappeler que en Trial 2, cette année, il n'y a pas 10 pilotes comme certaines années. Oui. Cette année, il y a 40 pilotes dans la catégorie. Quand je dis quatrième, c'est donc, sur 40. Ouais. Quand il fait déjà un top 10, c'est magnifique. C'est ce qu'on visait initialement. Maintenant, quand on sait qu'il peut faire quatrième, on a un Marc Colomé qui va le pousser un petit peu plus parce qu'on sait qu'il il peut faire toujours mieux. Donc, d'ailleurs, ce week-end, on va être présent en Allemagne. Mm-hmm. Gaël, toujours accompagné de Margot Pena, mm-hmm. qui va pouvoir aussi évoluer sur son Ipur Race en Trial Woman 2. Donc, elle a 16 ans et pareil, on a une féminine et je trouve ça c'est top. Sympa, bien ouais, sûr. Bien sûr. Tout à fait. Alors, on a parlé évidemment de Gaël, on va dire aussi un mot de Chris qui, oui. lui, il aime les beaux challenges aussi, parce qu'il est allé se frotter aux meilleurs Américains. Et c'est ça, Chris, qu'on sait qu'il fait beaucoup de show et beaucoup de freestyle avec notre moto sur sa structure Dust. Bien sûr. Maintenant, on avait un challenge pour lui aux États-Unis d'aller se confronter face aux Américains, mm-hmm. En Californie, sur le trial, je dirais... le plus gros aux États-Unis, qui est donc El Trial de España, bizarrement, mmh. oui. avec une seconde course Conquer the West. Et alors on s'est posé la question, parce qu'on a des gens comme Pat Smaggy, qu'on retrouve sur les indoors en France, représentant les États-Unis. On s'est dit, est-ce qu'il faut qu'il roule dans la catégorie pro ou celle en dessous? Et puis Chris est un compétiteur, et donc on s'est dit, il va rouler en pro. Et il fait troisième, quoi. Il fait podium. Ils étaient bluffés, par les Américains. Complètement. Alors, que ça soit d'ailleurs sur le Scottish ou comme aux États-Unis, où j'étais présent donc avec Philippe Aresten, on ressent un enthousiasme, ce que vous faites, c'est génial, c'est de l'électrique. Enfin, il n'y a pas d'a priori, il y a vraiment de l'excitation mm-hmm. autour du projet. Un respect, les commissaires qui applaudissaient dans les zones, qui sortaient leur téléphone en train de filmer, enfin, c'était assez incroyable, chose qui malheureusement, je peux le dire, qu'on ne retrouve pas forcément en France. Mm. Non, ça fait chaud au cœur et on se dit que ça fait 10 ans plus de 10 ans maintenant qu'on travaille et pas pour rien. Quoi. Alors un petit mot d'un point de vue commercial, comment se porte Electric Motion aujourd'hui? Bien, 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 on continue à développer les ventes, hein, que ce soit sur... aujourd'hui sur tous les continents, avec des nouveaux marchés, essentiellement en Asie, hein, Taïwan, Corée, mm-hmm. Récemment la Turquie. Ah. Donc on commence aussi à continuer à développer nos ventes et aussi à travers nos plus gros marchés, hein, qui sont les États-Unis, l'Angleterre, toujours la France évidemment. Mm-hmm. Voilà, on a l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne qui se porte très bien, l'Autriche, enfin tout. Ça s'imbrique assez bien et malgré les difficultés, je dirais, liées au Covid, liées à la guerre, liées aux problèmes de transport que tous les secteurs d'activité connaissent dans le monde, on tire notre épingle du jeu et on en est assez fiers grâce à nos équipes. Ouais. Travail dur. Bravo. Ben, merci. On a parlé de ce qui s'est passé. Ouais, maintenant, on a parlé de ce qui va venir. J'imagine que vous avez d'autres projets. Complètement. Alors, c'est vrai qu'on... On a une gamme qui continue à évoluer. Hein. On a des motos qu'on appelle entre guillemets ready for IoT, donc c'est-à-dire qu'elles seront prêtes à être connectées demain, donc toute la gamme 2023 avec un téléphone, un smartphone pour pouvoir la géolocaliser, pour pouvoir faire toutes les choses qu'on peut faire aujourd'hui avec des véhicules 4 roues ou certains 2 roues électriques. Donc la gamme évolue et aussi en termes, je dirais, sportifs, challenge et aussi projet. C'est vrai que peut-être que vous avez vu que dernièrement on a un petit peu communiqué via le nouveau championnat qui va être lancé, qui s'appelle FIM e-Explorer, ouais. Donc soutenu par Valentin Guyonnet qui était quelqu'un qui était dans l'organisation de Formula E. Oui. Donc, c'est la grosse structure avec des gros sponsors, de l'argent, des moyens médias énormes. On sort du paddock trial, ouais. Et ça peut être un second souffle. On n'a pas perdu le premier, mais aussi un moyen aussi nous de... toujours rester dans le trial, mais en sortir aussi mm-hmm. pour pouvoir aller explorer d'autres choses. Bah, c'est bien le cas de le dire. Et puis, là, c'est un championnat où... Alors, tu peux nous dire un peu le format rapidement. Donc, c'est un championnat où une équipe mixte, mm-hmm. composée donc d'un garçon et une fille,
avec un véhicule électrique. Mmh. C'est pas du trial, c'est pas de la motocross, c'est pas de l'enduro, c'est un format un petit peu nouveau dans les villes et dans les champs, je dirais. Mmh. C'est vraiment quelque chose qui peut être parfait pour nous, pour l'escape et pour une version peut-être un petit peu aussi améliorée. Il y a une notion de chronomètre quand même, une notion d'obstacle aussi. Et complètement, il y a du franchissement, il y a un peu de vitesse. Donc c'est pas de l'art d'enduro, mais c'est un nouveau format de course qui va se faire dans des lieux assez insolites, hein, puisqu'on parle de la Suisse avec Rance Montana, on parle de Ibiza, on parle de Miami, enfin donc c'est des choses qui sont des beaux sites. Il y a récemment des gens, si vous regardez un petit peu sur les réseaux, qui se sont joints au projet, comme James Stewart, donc Booba, avec team, le Team 7, on a Robbie Madison, enfin donc des gens assez, des grands noms dans la discipline qui se sont joints à ce projet. Donc c'est quelque chose de gros et dans lequel on aimerait évoluer, ouais. Alors, c'est quand que ça commence ? Alors, normalement, la première échéance, ce serait le mois de septembre. D'accord. À mi-septembre, première manche en Suisse. D'accord. Donc, on est vraiment excités. Et puis, alors, ce sera qui, votre pilote ? Alors, aujourd'hui, je ne peux pas trop en dire plus, mais si vous étiez là aujourd'hui à l'EMD et que vous... J'en ai vu un. Vous en avez vu plusieurs. Plusieurs. Vous en avez vu plusieurs. Vous avez vu un spécifique trial, mais un qui peut avoir cette facette... évidemment, la relation qu'un Christophe, on va le dire, avec Philippe peut avoir depuis certaines années. Et puis, c'est quelqu'un qui peut être très performant sur ce type de discipline. D'accord. Voilà. Bon, que des beaux projets. Et oui, puis, oui. J'allais oublier aussi un nouvel outil de travail bientôt. Aussi, oui. Pour l'année prochaine, une nouvelle usine. C'est pareil, on va bientôt communiquer dessus pour laisser... Pour informer un petit peu les gens, hein. On commence à être à l'étroit dans notre outil actuel où on a des capacités de production qui peuvent aussi limiter notre croissance. Donc voilà, les choses avancent pas à pas, mais rapide. On essaye de toujours, on reste une petite société de plus de 25 personnes maintenant. Ouais. En gardant les bons côtés de la petite société, mais en s'inspirant des grands, ne pas avoir des process trop longs, restant mobile. Il y avait toute la famille de production. Qui ont travaillé aujourd'hui, qui nous ont rejoints le soir. Ouais. Donc, on est une vraie équipe soudée. Et puis voilà, on grandit, on travaille. Ouais. Doucement, non, pas si doucement que ça d'ailleurs. Ouais, non, on veut toujours travailler plus vite, mais il faut vraiment valider, je dirais, chaque échelon. Merci beaucoup, Jean. Merci, Jean. Au plaisir. Merci.